Bon, les gars, c'est parti. Bienvenue sur le jeu Last Day on Earth. On se retrouve ici au laboratoire. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Au niveau du calendrier, nous avons le laboratoire du port où les dégâts de l'égaliseur sont augmentés de 25% dans le labo. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour chaque zombie tué en normal, on pourra avoir gagné des fibres de carbone et aussi ou des pièces d'usine. Donc ça, c'est super top. En récompense, on a des points pour le passe de saison. Bon, pourquoi pas. Donc on a un maximum de zombies à tuer en gros. L'intérêt, c'est surtout de choper ces fameuses fibres de carbone qui sont quand même super intéressantes. Alors, j'ai pris quelques égaliseurs. Voilà ce que j'ai pris. J'ai pris quelques égaliseurs pour voir ce que ça donne. J'ai pris également des AK-47 et puis d'autres petites choses. On va aller voir immédiatement ce que ça nous donne. Alors là, on a quoi? Agilité. Alors, attendez. Je disais donc, en agilité, on peut esquiver les attaques des ennemis. Donc ça peut être pas mal. Quand votre santé est en dessous de 5%, vous pouvez vous soigner partiellement en tuant un ennemi. Alors, en dessous de 5%, ça fait quand même très très peu. Donc, on va pas le prendre, je pense. Et une attaque sur 3 avec une lame fait saigner la cible pendant 10 secondes. Sachant que je vais pas utiliser énormément de lames, je vais utiliser beaucoup d'armes à feu. Je vais prendre agilité. Voilà, on choisit ce talent, on choisit. Ok, en espérant pouvoir esquiver un maximum. Ça fait mal. Ouais, ça fait assez mal. Bon, là malheureusement, j'ai pas pu éviter le truc. Bon, on viendra les chercher après, hein. On viendra chercher tout ça après. Là, ce que je vais faire, je vais mettre juste ça ici. Allez. Ah là 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 là, je suis vraiment pas doué là. Ok. On va essayer d'utiliser quand même des petites armes. Ça se goupille plutôt pas mal pour l'instant. On va pas se mentir. Là, on a un petit coffre, je crois, non? Il est où? Il est là. Pourquoi il veut pas le prendre? Ah, voilà, ça y est. Excusez-moi, un petit souci. Alors, donc là, on n'est pas trop mal. On va prendre tout ça après. On va tenter de défoncer quelques armes. Alors, bon, on va prendre ça, hein. Ça a l'air de plutôt bien se goupiller quand même. Il va falloir surtout que je fasse attention à esquiver un scientifique. Franchement, les armes, ça se goupille pas mal. Bien sûr, encore touché. Ça, j'ai du mal. Salut les gars. Bon, ça se goupille bien. Bah écoutez, pour l'instant, ça se goupille même plutôt pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va tout prendre. Alors, attendez, on va manger un bout. Moi, je crois que j'ai bien fait de prendre une tenue de rechange parce que, franchement, là, on n'est pas au top. Alors, est-ce que je peux supprimer des choses? Non, ça va être compliqué. On va essayer de finir nos petites armes. Alors, attendez, on va attendre que ça passe. Voilà, on va l'ouvrir là-bas. Ah, viens ici, toi. Non, 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 viens là. Voilà.
Donc là, on va pouvoir se mettre une autre arme. On va peut-être pouvoir commencer à aller chercher des choses. J'ai pris trop de choses dans mon inventaire. Donc ça m'empêche. Voilà, mais on va récupérer quand même pas mal de petites cartes. Ça, c'est bien. Enfin, une petite chose intéressante. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a ça. Ouais. Pour l'instant, je vais mettre ça là. Hop, on va le récupérer parce que ça, je viendrai le chercher un tout petit peu plus tard. Voilà, c'est cool. Ça, je le récupérerai après. Je vais le laisser ici. Là, ça m'embête, mais attendez. Ce que je vais faire, c'est que. Non, pour l'instant, j'ai rien besoin. Allons, on y va. Bien sûr, j'ai été touché, c'est logique. On va aller voir ce qui se passe dans cette petite pièce. Franchement, l'égaliseur, il fait quand même vachement bien le taf. Hein. Faut avouer que là, on est pas mal du tout. Donc là, on est pas mal du tout. On va prendre une petite AK. Ok, voilà. Jusque-là, franchement, tout va bien. Il n'y a que les vomisseurs qui m'embêtent parce que j'ai du mal à les esquiver. Là, il faut vraiment que. Non, le vomisseur. Ah là là là, mais ça me fait mal. Je suis vraiment pas bon là-dessus. Hein. Alors vraiment. Non, lui, on s'en fout un peu. Le découpeur. On s'en fout. Bon, on prend pas mal de cartes quand même, ça fait plaisir. Alors, deux fibres de carbone, moi c'est ça qui m'intéresse. Faites voir si je fais ça. Bon, j'ai mon chien, j'ai mon toutou qui m'attend. Bon, c'est un peu fait déchirer par le découpeur. Allez, calme-toi. Voilà, c'est pas grave, on utilise un petit peu de soin. J'ai ma tenue qui a morflé comme jamais. Mais ça, c'est parce que je joue mal et parce que je ne sais pas éviter. Chien, tu peux m'aider. Hein. Parfait, ça. Allez, ça c'est parfait, parfait. Là, on va se reprendre une petite arme. On va se reprendre un petit égaliseur. Hein. Oh, quoique. On va alterner un peu, ça va faire du bien. Allez. Voilà, ça je l'ai évité. Je l'aime pas du tout. On va l'éviter. Il court quand même relativement vite. On l'esquive. Et on a un peu soif. Allez, on va boire un petit coup. On va se détendre. On va manger un morceau. Voilà. Cette petite carte verte, c'est pas trop mal. Bien sûr, là. Alors. Oui, il est pas content. Là, il faut bien partir. Parce que là, on est à poil de chat à poil. Là. Là, on n'est pas bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se remettre une petite tenue
Donc voilà, moi j'avais prévu parce que je sais que je sais, je savais pertinemment que j'allais niquer une tenue. Donc, je m'en prends une. Alors, là du coup, ben on va prendre ça, tranquille. Allez, on n'a pas peur. Alors ici, on arrive sur la fin. Bien sûr, encore le même coup. Allez, viens ici, il est où? Là, c'est quoi? Du 9-10 et là, du 7, ouais. On n'est pas trop mal quand même, c'est pas trop mal. Allez, on avance bien. On va ouvrir ça. On va tout prendre. Moi, ouais, c'est pas une petite pilule, je prends. Ah oui, ici, on peut pas ouvrir. Ok. Et donc, du coup, là. Alors, terminé un secteur du laboratoire 1 sur 2. Alors, on en est où? On en est où? Est-ce que je vais vous le faire en deux coups? C'est possible. J'ai presque envie de vous le faire en deux fois. Bon, là, on a fait à peu près la moitié des dégâts infligés. On a fini les zombies et il nous reste un niveau à faire. Bah écoutez, moi, ce que je vous propose, je vais m'arrêter là et je vous retrouve. Ça fait une petite dizaine de minutes et je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour le niveau 2. Allez, à tout de suite.